va commencer par l'apéro et le premier produit. Comme ça, au moins, si vous n'avez pas de pain, vous n'êtes pas au dépourvu. Et en vrai de vrai, il y a des bonnes petites découvertes dans les tartinables. Les mini focaccia au romarin de Tatarita, par les Niçois, voilà. La focaccia est un pain plat et cuit au four, croquante et gourmande. Ces mini focaccia viendront ensoleiller vos apéritifs. C'est une dinguerie, à chaque fois que je regoute, c'est une dinguerie. Mais en vrai de vrai, la truffe, elle est pas tant présente que ça. Donc si vous êtes un peu réticent sur la truffe, les gars, on dirait vraiment de laisser, bah c'est de l'effilocher en fait. Hein. C'est super tendre. Je comprends pourquoi j'ai choisi ce truc là, putain. Ah putain, c'est trop bon. Mon seul regret, c'est que ce soit pas plus gros, hein, parce que bon. Bon, après, en vrai, c'est censé être pour deux personnes. Ce sirop a été élaboré à partir de sucre pur canne d'origine biologique. Aromatisé aux fruits de la passion, ce sirop ravira petit et grand avec la douceur de ses saveurs tropicales. Tentez, les amis. Oh, j'ai mis la dose idéale. C'est pas trop sucré. Eh, putain, c'est ouf comment un sirop. Le but, encore une fois, c'est de tout se régaler. Eh frère, eh vas-y. Ok, moi j'ai envie que le projet s'autofinance. Bah que voilà, c'est normal que on travaille, on se fait un petit billet derrière. C'est le but du taf, tu vois. Mais c'est moi, c'est pas mon travail principal et j'ai pas envie d'en faire mon travail principal, tu vois. J'ai envie que le projet s'autofinance, grossisse et que, ben, à travers ça, moi je vous dis, moi mon but numéro un, c'est d'apprendre côté entrepreneuriat. Et j'ai envie d'avoir un truc méga stylé où je suis fier, tu vois. Là, moi, je vais pas vous mytho, vraiment. Je sais qu'il y a eu des commentaires négatifs me disant « Ouais, c'est trop cher, ceci, cela. Bah, » c'est simplement, je pense que vous êtes pas la clientèle ciblée, si vous pensez comme ça. Parce que, bah, mis bout à bout, bah, on est à plus de 40 euros dans la boîte. Ok, bon, il me semble que le produit, ça, c'est 11 balles. Tu vois ça en magasin, tu mets pas forcément 11 balles. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion, justement, de goûter et découvrir ça. C'est cher, la bonne bouffe. Et du coup, voilà, moi, mon but, c'est pas de faire de la thune avec ça. Je vous le dis honnêtement, hein, je m'en fiche. Mon but, c'est de réussir à monter quelque chose et à vous le partager, à vous faire kiffer. Je parle avec le cœur, les amis.